Mathias Félix. Moi, j'ai pas très bien compris, mais c'était cool. C'était vraiment chouette. J'ai bien aimé les ceux en vert qui passaient. Je suis triste de pas avoir vu les avions, mais c'était chouette. Et maintenant, j'espère qu'il y aura des endroits pour picoler. Voilà. C'est Mathias Félix. Merci. Et vous, quelles sont vos impressions par rapport au défilé? Ah mais c'était vraiment superbe. Moi je viens de Stockholm, j'habite à Stockholm, je suis un résident belge à Stockholm et je viens exprès pour ça ici le 21 juillet pour fêter la fête nationale et c'était vraiment superbe, vraiment génial. Merci beaucoup. Voilà. Merci. C'est donc, quelle chaîne vous dites? C'est la Télé-Spi. Télé-Spi. Télé comme la télé comme vous entendez, ouais. Et SPI. Ah ouais. Donc ouais. La Télé-SPI. Ah ouais, on ira voir. Ça va? Faire une partie, voilà. Et entre la partie de démilitaire et les civils, ils ont mis la troisième onde des avions aujourd'hui. Oui. Et ça me touche très bien. Je peux faire tous les années. Ah, merci beaucoup. Et on n'a pas eu un tirage national aujourd'hui. Hein. D'accord. Les autres années, il y a toujours un tirage national. Ok. Thank you.
Canada. Mais quelles sont vos impressions alors, madame, pour le défilé? C'était un très beau défilé. Très, très beau. Je trouve que ça a été une fête très, très réussie. Dans la sérénité, dans le calme, et que tout s'est très bien passé. Ça permet de réunir tous les Belges. Tous, de quelque nationalité qu'ils soient. Madame, par rapport au fait que le roi Albert II a cédé le royaume au prince Philippe, et qu'aujourd'hui, il est devenu le roi des Belges. Que pensez-vous à cela? Il y a une raison valable. La santé, c'est primordial. Et puis, il y aura un renouveau en Belgique aussi. Et vous lui faites confiance, madame, comme le roi Albert II a dit? Non, pas encore. Pas encore? Il faut qu'il fasse épreuve. Il faut connaître le maçon au pied du oui. mur. Mais disons qu'on ne va pas l'abattre directement. D'accord. Façon de parler. Hein. Merci beaucoup, madame. C'est gentil, mille fois merci. Quelles sont vos impressions par rapport au défilé qui s'est passé, madame? S'il vous plaît, la télespie de Charleroi. Quelles sont vos impressions par rapport au défilé qui s'est passé? Très bien. Très bien. Et merci beaucoup. Et par rapport au fait que le roi Albert II a passé le trône au prince Philippe, qui est aujourd'hui roi des Belges, que pensez-vous à cela? Vous lui faites confiance, comme le roi Albert II a dit? Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Merci beaucoup, merci. Oui, bien sûr. Donc, quelles sont vos impressions par rapport au défilé d'aujourd'hui qui s'est passé? Oui, l'événement du jour, c'est qu'il y a un nouveau roi en remplacement d'un ancien. Mais celui-ci, contrairement à ce qu'on a semblé dire, comme quoi il était incompétent, incapable, qu'il n'était pas prêt, mais on a été tous fort surpris dès qu'il y a eu une forte adhésion populaire et puis cet enthousiasme qu'il y a eu ce matin depuis la cérémonie jusqu'à ce jour. Merci beaucoup. Ouais. Donc, aussi. Très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir, merci, au revoir. Bonjour madame. Quelles sont vos impressions par rapport au défilé qui vient de se passer, madame? Oh, formidable. Très impressionnant et très beau. Et que pensez-vous le fait que le roi Albert II a cédé le trône au prince Philippe? C'est très bien, c'est très bien. Il faut lui faire confiance alors. Oui, c'est un roi comme ça. Merci, merci beaucoup, merci. Vos impressions par rapport au défilé qui vient de se passer aujourd'hui? C'est très, très exceptionnel.